Dans 3 minutes. Ah oui, oui, j'avoue. Ah, ok, ok. Ah bon, j'ai cru qu'on avait... Ah, on a commencé à 21h, je me souviens. 22 22, pardon. Oh, c'est bon, ouais, c'est bon, vas-y, moi je suis finito, là. C'est... J'ai même pas besoin de vodka, je suis finito. Je la passerai jamais, cette arène. Bah moi, je commence à douter aussi, hein. Je crois qu'il va falloir que je sois level 40, hein. Le problème, c'est que j'ai pas envie d'utiliser mes super bonbons sur un Pokémon level 20, quoi. Moi, faut juste qu'il arrête d'avoir une RNG de connard, en fait. Faut que tu montes combien de niveaux, Yuri? Bah, je sais pas trop, en fait. Jusqu'à ce que j'aimerais bien qu'il évolue en Noirfang, quand même, mais tout, en vrai, merde. Ah, au pire, tu check là, le niveau. Quand j'y vais... Ouais, je pourrais. Ouais, j'y vais. C'est pareil, faudrait ouais, que je monte un peu mon matoufeu pour le Roserade aussi. Genre, histoire au moins qu'il y ait des lance-flammes, mais je sais pas quel level là. Lance-flamme, roue de feu, bref, une attaque qui soit pas flamèche. Parce que flamèche, sur le Rafflesia, ça lui enlève quand même genre, bien 40-45% de sa vie. Donc je suis sûr qu'avec une attaque plus puissante, en vrai, y'a peut-être... Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai coach flamèche. Moi, c'est lance-flamme qui me fait rire. Ouais. Tu m'étonnes, lance-flamme, mec. Mais ça, avec un lance-flamme, je pense que t'arnaques un KO ou un truc comme ça. Le Rafflesia, il est parti en un coup. Le Nidoking est parti en... C'est une petite subtilité, du coup il m'a mis à 5 PV, mais du coup, ouais. Quasi two shot le bordel. Mais j'ai de la chance sur mon combat. Putain. Putain, moi, il a la chance. Les RNG, c'est des trop. Des fois, je suis plus chanceux du monde et des fois, vraiment, c'est. Ouais, bah ça. C'est trop les RNG, tout est en sa faveur, tout est en sa faveur, putain. J'aurais dû la passer 15 000 fois l'arène dans un jeu Pokémon normal, putain. Il ne sort pas ça, gros pif. Ça va. Quoi? Non, il y a un Pokémon. Ah. Ouais, je crois que t'avais fait une blague un peu. Non. Ah, oh, c'est très grave, Nidoking, putain. Les gars, je sais pas si vous avez testé, mais j'ai acheté des Capri-Sun Ice Tea. Vous avez déjà goûté ça? Non. Mais oh, je pensais qu'il y avait que multivitaminé et orange, tu vois. Bah oui. Bah non, bah y'a que Capri-Sun Ice Tea, mec. C'est son esprit s'est ouvert vers la 8ème porte comme gars. Tu la ref. Non, il a pas la ref. Il a pas la ref. Il a quitté Naruto au combat Rock Lee, Kimimaro, je sais pas quoi là. Mais non. Danse de l'homme sous. Il a quitté juste avant ce combat. Au meilleur moment de. Non, c'est... vas-y, j'ai le droit de l'insulter. Toucan, mouvement s'il te plaît. Ouais, j'arrive. Moi, allez, vas-y, allez tricher là. Allez tricher. Non, à l'autre. Ouais, mais j'ai. Alors là, j'ai fini en gros, t'as 3 ou 4 combats, et après, c'est un jeu qui dit: je suis installé dans cette ville à la recherche du très mystérieux jardin Bulbizarre. Je n'ai malheureusement rien trouvé de concret pour l'instant. Ouais. J'ai toutefois fait en sorte de rassembler de bons dresseurs dans cet endroit, et nous allons régulièrement explorer les environs. Mais tu n'es sans doute pas ici pour m'entendre épiloguer. N'attendons plus et livrons ce combat que tu te sens. Ok, d'accord, c'est un méga combat. C'est un méga combat? Ok, c'est très bien, c'est d'XP en plus. Moi aussi, tu es un dresseur d'exception. Ouais, il y a 4 gros combats, je vais te dire ce qu'il a si tu veux. Ouais. On a dit si t'as passé la reine, c'est bon, ça va y aller tout seul. Oui, oui, là je suis en train de faire les goopix là, le mec. Ouais, bah vas-y, allez. Tu veux qu'on soit moi? Ouais, c'est bon, vas-y, c'est bon. Vas-y. Le Coatox, je lui nique sa mère, genre. Ah ouais. Vraiment, Donc en fait, le Coatox, c'est pour, en fait, c'est pour ça que je monte le Hutout, hein, c'est pour passer le Coatox. Hein. Mais moi, Coatox, j'ai jamais vu, c'est le 3ème chez moi. Ouais. Ah ouais? Moi, il envoie Rafflesia. Il envoie Rafflesia, Nidoking en 2ème. Ah ouais? Ouais. Ah moi il envoie Coatox en 2ème, c'est marrant. Ah moi non, moi Coatox il me l'envoyait en... Merde. Parce que moi le Nidoking j'en ai pas envoyé en dernier aussi. Ah, où tout évolue, c'est bon. Mais on a téléchargé des ROM différentes ou... Non, je pense c'est... Je t'ai dit tout à l'heure moi, le coup des Evoli, genre... Ouais. Croyons qu'on a capturé un, j'en ai pas trouvé un seul, et quand j'ai refait le jeu, j'en ai trouvé 15 millions. Quoi. C'était pareil sur la première arène, hein. Ouais. Le Roserade, moi je l'avais toujours en 3ème et vous l'aviez en 2ème. Ouais, moi aussi. Putain, moi c'était en 2ème. Moi c'était en 2ème. Mais bon, vous voyez, instant le ciel là, je pète mon crâne. Un Mimigal! Je pense que même avec Noirfang ça va. Non, je prends pas Mimigal, je prends pas Mimigal. J'ai mes araignées, mais c'est même pas une araignée, il a 6 pattes. Non. Mais je suis trop con, j'aurais dû check les T'es une Wyvern ou un dragon? Ah, c'est vrai, tu sais que je suis le genre de connard qui rectifie les personnes par rapport aux. Oui, je sais, c'est pour ça qu'on jouait à MH, parce que je savais jamais à chaque fois, moi je cassais les couilles tout le temps. Putain. Ah, de toute façon, niveau vert, c'est simple. Hein, c'est... Oh là là, c'est trop. J'ai pas eu de chat sur cette run.
on dirait que tu joues à un roguelite, tu sais. Mais si vous voulez un ordre d'idée, ben Young, il a quoi? T'as quoi comme poké? T'as Ferrisson? Hérisson, du coup? Ouais. Moi, mon Reptacel, il fallait que c'est à niveau 34 avec lance-flamme pour que ça passe, hein. Sinon, je sais non, pas c'est... si je t'ai passé. Hein. Non, mais ça par contre, c'est un truc de PC. C'est genre vraiment... Moi, en fait, il faut que je fasse un petit peu plus de dégâts avec mon choc mental. Je t'attaque, frère. Comme ça, il utilise pas sa B. Et comme ça, je one-shot avec Bélier. Et après, je passe les deux. C'est j'ai regardé à quel level ma touffeux apprend lance-flamme. Niveau 5, enfin, une meilleure attaque feu, parce que vraiment avec flamèche je suis sûr que je passe pas. Ah d'accord, normalement il est censé apprendre crochet au level 15. Super. Ouais. Super. J'en ai littéralement jamais vu la couleur. Mais par contre le double pied l'a bien appris. Mais je te dis, c'est différent les trucs, j'ai l'impression que c'est... Ça fait... Ah faites gaffe parce qu'il y a une V1 et une V2 du jeu les gars. Enfin, on est sur la V2 là. Hein. Ouais, oui. Mais c'est pour ça, regardez les infos peut-être que... Ah, mais non, 8ème G, Crofeu level 20. Ah, mais non, parce que j'ai déjà double pied normalement. Attends, ça se base sur l'habitude les attaques? Hein? Ça se base sur l'habitude les attaques? Comment ça? Non, il faut dire. Eh, c'est un dialogue de sourd là. Non, c'est non la réponse. Ok. La réponse est non! Non! Non, mais ça se trouve, je me demande s'il l'apprend. Parce que je crois qu'il a évolué au level 16, mon chaton de merde là. Je vais péter mon crâne. Je me demande si comme parce que c'est marqué qu'il apprend level 15, est-ce que du coup c'est pas un move qu'il a déjà appris avant, il faut le... Putain, il y avait pas un mec qui te faisait réapprendre les moves là? Non. Il y a des capacités? Ouais. Non. Fait lui donner une champi je crois. Je te le donne, il était avant la... Avant salut Eden, bienvenue. Ouais, c'est ce qui me semblait mais... Allez, la super potion. Eh, tu sais quoi, vas-y. Merci tout con, mais ouais, je vais aller voir en vrai. Comme tu veux, t'inquiète. Je vais aller voir. Là, vous voulez donner des infos. Et c'est pas des mythos. Non, je sais, ça y est, pas de soucis. Mais je vais aller voir, du coup, vas-y, je vais retourner en arrière. Aïe, méga corne, allez, nique ta mère. Oh, ça a raté. Si je peux apprendre Crofeu. Attends, il y a combien d'attaques, Matoufeu? Bah, les Pokémon ont 4 attaques. Ah, dommage. Ouais, voilà, il a 36. Dommage. Il va le re-soigner, voilà, parfait. Là, logiquement, je trouve que c'est vraiment... Allez, un crit. Logiquement, ta mère, c'est... Un critère bizarre. Un crit, s'il te plaît. Bizarre. Pédale. Son petit traumatisé. Ah, putain, c'est lui, je crois. J'ai pas le one-shot, hein. Il faut tout camp. Ouais, mais j'ai... Ça va passer, là. Je move. C'est parti. Bon. Ouais, mec. Il donne une torche, en fait. Tu lui donnes le truc bulle bizarre, tu vois, que tu... Florizard t'a donné dans la forêt là parce qu'il t'a apprécié. La graine miracle ouais. Ouais ben quand tu le bats il te donne une longue torque donc t'as pas besoin de flash dans les souterrains. Ah waouh. Donc y'a plus besoin de flash. Plus besoin de flash ouais. Oh ça c'est cheat par contre. Voilà. Oh c'est très bon. Bien. Et mais, par contre faut pas donner la graine miracle j'espère. Si. Ah merde. Après je sais la graine miracle ça sert à quoi? Bah pour augmenter les types plantes. Ah ouais, bon moi je joue pas de type plante en général non. Bah tu sais quoi, je sais qu'il sera là de toute façon. Et tu peux choisir voilà, oui okay. Ou non ou pas? Ouais tu peux choisir. Ok bon bah... Au pire sauvegarde avant de l'affronter, c'est le... Vu à la fin tu fais une safe tête et... Vas-y je vais faire une sauvegarde. Voilà. Vas-y putain. Vas-y c'est bon. Bien, très bien. T'inquiète, on continue. C'est ça. 5 heures là. Y'a pas la... La roue? Si, la roue. Ah oui, la roue! La roue, Chan! Tout le monde est là! On fait la roue là? Ah oui! Ouais! On fait la roue? On fait la roue. Allez. Pause sur l'émulation. N'oublie pas de faire une sauvegarde, allez. Les amis. Oui, c'est vrai, la sauvegarde. Allez, Il est où? C'est en plein combat. Bulbicide. Oh, tu dois lever les mains! Ouais, c'est pas le bon plan là. Allez, les mains! C'est bon. Attends, mais il est en train de tricher là. Je me gratte les couilles un petit coup. Allez, La roue. Bah, la roue. La roue. Ah oui, elle est là. Allez, let's bounce. Let's bounce. Allez, go. Ça s'appelle OV. Pardon. Let's go. Oh oui. Oh oui, ouais, mais cette roue elle est rigged, c'est bon, faut le dire. Rigged, sa mère.
C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait, Sid? C'est comme au casino, c'est toujours les mêmes qui gagnent, c'est bon. Moi, je propose qu'on se prenne un bonus. C'est ce que je pensais aussi. Franchement, c'est pas cool de mettre des malus là. Non, en fait, on va mettre un malus. Young et Parker. Non. Tu sais que j'y pensais aussi. Après, il y en a deux, ils ont passé l'arène, ils sont devant, mais bon, tranquille. Bah, c'est vrai. Ah, c'est vrai, putain. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, je te laisse choisir, Yuri. De quoi? Ah, si on met un bonus malus? Ouais. Yori, je t'ai dit le maître des capacités. J'ai été gentil. Non, après, Yori, t'es plus fort que ça. C'est vrai que le coup des malus, après... En vrai de vrai... Ils ont pas eu de malus depuis le début, je rappelle. Juste pour la chance de savoir où est le multi-XP, l'accélération et le contre-Kems, vraiment. Ouais. Je pense qu'on va prendre un bonus. Allez, 5 minutes, c'est très bien. Ouais, ça, 5 minutes, c'est très bien, ferme ta gueule. Allez, go, je lance là. Merci, on se souvient de ça. J'espère. Les mecs, ils sont déjà à la troisième arène. Putain, c'est un item. Allez, dans mes veines, direct en intraveineuse. Je vais le virer, ce truc de merde. Si, la prochaine fois qu'on tombe sur la roue, c'est un malus pour Young. Vous voulez pas mettre multi-XP en même temps que item? Et multi-XP en même temps que CST? Oh non. Yori, après, tu me dis. Non, mais Young, après, on te donne un item. Ah bah, Yori, tout cas. D'accord, pardon? Ouais, mais un item. Est-ce qu'on peut jouer là? Ok, bah vas-y, on cherche un item. Ouais, on cherche un item. Mais tu cherches un item, toi aussi, tout à l'heure. Ah, non. Tu cherches un truc toi? Si, tu cherchais un truc. Ah non, mais le gros zen, mais il a évolué, c'est bon. Ah ouais, mais vous pouvez choisir le multi-XP du coup? Ou c'est vraiment. Ah non, non. Ouais, non, c'est un truc des. C'est un truc à part le multi-XP. Ouais, mon pote. Et nous, on sait où il est. Quand? Paralyse. Ouais, mais j'ai. C'est sur une bonne nouvelle. Ok, c'est parti! Ouais, dis-moi, mec. Tu verras en haut à droite de la ville, tu sais, à droite du centre Pokémon, t'as une petite échelle. Ouais. On descend de l'égout, ensuite tu montes et t'as un biker. Un biker, ok. Le biker, il s'appelle Davidson, il dit salut mec, tu me rends un petit service, j'ai essayé de battre l'arène de la baie chinoise. Ouais. Mais les Pokémon poison se font éclater. Si t'arrives à le battre, ça me ferait une petite revanche. Et en compensation, je te passerai une bécane. Oh. Voilà. Et donc là, t'as la bécane là? Non, il faut battre de la béquinaise, donc c'est peut-être... Ah, c'est un autre... Ok. Wow, mais t'en sais ta crise que t'as trouvé. Et bon, ok, on dit rien, Poker Face. Attends, je vais dire, ouais, c'est pas ouf. Vas-y. Ouais. Heureusement que je suis pas sceptique, parce que putain... Il est quel type, Coatox, là? Combat poison. Donc 6.4. Vous avez voulu? Nice. D'accord, donc on peut plus rapide que moi. Shiny! Shiny! Non, mais frère, Shiny! Bombidou! Oh la blague! J'ai pas vu un Shiny. Qui l'a capturé? Là, il va. Ah! J'ai trop peur en fait. Oh, vas-y, je balance une Pokémon direct, j'en ai rien à foutre. Il rate son attaque, fils de pute! Parce qu'il est level 10, donc vraiment. Les gars! C'est bon pour moi! Ah, GG, c'est. Coatox, c'est bye-bye avec Herbizarre. C'est bon, j'ai capturé. Let's go, Bombidou. Allez, nickel. Mais frère, vas-y. Pose la manette, posez toute la manette. Il est 10. Il est 10, allez. Il est 10. Je reprendrai la manette à 15. Merci Yuri. Bien joué, mec. Bombidou. Je jouerai ce Bombidou, je pense. Bon, à cause de... Ouais. À cause de Yuri, ça servir une moresque. Let's go. Allez. Je vais t'accompagner. OMG. Ah, t'as oublié de remettre le jeu en visu. Ah, le con. Ah, vous avez loupé le... Bien joué, ça. Ah, voilà. Je suis dégoûté. Voilà. Ah, mais du coup, t'as passé l'arène, là, Sid? Ouais, je viens de passer, ouais. Oh, et j'ai même pas utilisé Rhinolove, juste avec Herbizarre. Ah ouais, putain. Démolos au début pour le premier, et ah, après Herbizarre. Ah ouais, mais Démolos. T'as lance-flamme, déjà, avec? Non, Flamèche, mais ça... En deux coups, je l'ai éclaté, en fait. Putain. Ah ouais, d'accord. Après, enfin, faut voir, il est level combien aussi, mais... 25. Ah mais putain, c'est trop... Faut que je monte mon matou. Parker, on est les plus nuls. Parker, viens, faut qu'on parle. Vas-y. C'est maman, faut qu'on parle. Parker, on est nuls. Non. Parker, on est nul. Shonen de King, là, gros. Mais moi, je peux pas le passer, je peux pas le battre. Pourquoi que si? Parce que, en gros, je t'explique. Si je ramène Ferrisson... Il me le détruit, il me le one-shot avec Tellurie Force. Et après, j'ai... Je pourrais up... Mon seul espoir, c'est de up... Comment il s'appelle? La chauve-souris de merde, là.
Parce qu'il peut pas prendre Tellurie Force, je crois. Il sera petit. Non, il peut pas vu que c'est un Pokémon de vol et... Parce que là, il me le ken avec Bélier, il me le one-shot. Parce qu'il est niveau 17. Mais c'est qui ken? C'est le Quatox ou c'est le... Non, Quatox, j'ai jamais vu. Pour moi, il sort en 3ème. Ah, c'est Nidoking qui t'enculé. Ah, merde. Ah bah... T'as pas d'autres Pokémon à part Nosferapti Pikachu, mais ça sert à rien. Ah, Pikachu, non, il va sert à rien. J'ai Evoli, mais bon, il est pas ouf, il est niveau 17, mais il a pas beaucoup d'attaques. Et j'ai Magikarp, qu'il faut que je fasse évoluer. mais arrête de rigoler à chaque fois que je dis Magikarp. Magikarp, tu sais très bien ce qu'il va devenir. Non, mais là, je rigole juste parce que bah, t'es dans la merde, en fait. Là, t'es comme moi. Là, t'es comme moi, la première reine. T'as combien d'items? T'en as beaucoup, des items? Bah, je peux acheter, quoi. Quand tu te fais one shot, ça sert à rien. Bah, farm. Une farm, ouais. Parce que là. Niveau combien ton frisson déjà? 31. Ils sont rapides? Les autres, ils sont tous 17. Eh bah, écoute, ouais, farm, hein, parce que. La meilleure strat, c'est quoi? C'est Nosferapti pour toi? Contre le Nidoking. Contre le Nidoking, oui, c'est clairement Nosferapti. Contre le Quatox? Le Koratox ne sera plus aussi vu qu'il est Koratox et combat poison. Ok, donc là le plus worst c'est d'aller XP et Nosferapti, on est d'accord? Ouais. Ok, bon, je vais faire ça. Après, Koratox pour moi il m'a jamais fait d'attaque sol. Donc peut-être que ton Farisson il peut passer. Mm-hmm. Mais ouais, si ton Farisson il va clairement se faire des coeurs par le Nidoking. En fait, le problème à ce niveau là c'est qu'on a que des potions et que ça remet rien de vie et qu'on n'a pas de rappel. Ça c'est le plus gros problème. Les rappels. Moi je joue comme ça à Pokémon, hein. Je joue que comme ça. J'ai pas la ligue qu'à coup de rappel. Donc, et là on a pas de rappel et on a que des potions et ça remet que 20 PV. Et bah ouais, bah là va falloir farmer en fait. Ouais, bah, je vais faire ce que tu m'as dit. Vas-y. Hein. C'est un le sera petit, c'est un petit peu aussi le feuilleton peut-être. Pour le Quatox c'est le Rafflesia. Il fait ça. Putain, mais à chaque fois qu'il faut attendre 5 minutes, quand c'est Yuri, les minutes elles durent trop longtemps. Il doit faire des trucs bizarres, Yuri, avec nos ordinateurs. j'ai le contrôle du temps en fait. Qu'est-ce que tu fais? J'ai lancé un timer de 5 minutes, mais vous voulez aller à 15 piles ou... Bah ouais, moi j'ai dit que c'était à 10. Ouais, c'est bon, allez, vous. Ah, s'emmerder, vas-y, là non, c'est pas ça, 15, vous le prenez, on va pas. Ouais. Genre, déjà que vraiment ça m'emmerdait là que vous repoussiez la manette pour ça. C'est parti! Ouais, Furisson se réveille, genre il a assez dormi pendant les 5 minutes, trop bien. C'est légende ce mec. À deux doigts de l'air combattre le vieux. Hein. Mais en vrai, Yori, si t'as le Pokémon Feu pour le début, t'es bien. Ouais. Et après, Noirfang, t'as testé Psy Coup de Boule là? Bah, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. C'est pas vraiment, ouf. C'est pas terrible. Hein. Pourtant, c'est 80 de puissance, hein, mais vraiment. Ah, Noirfang, c'est claqué au sol. Hein, pas ce mec. C'est juste que bah, ça dépanne quoi. Ouais. Mais, One shot. En fait, il te faudrait un truc. Moi, avec Vampigraine. Mais t'es con. Ouais, il faudrait un Pokémon Dodo. J'avais Poudre Dodo et Vampigraine. Est-ce que j'ai encore le Quatox ou pas? Mais un truc genre. Un truc qui rend taré ou je sais pas quoi. Ouais. Ou qui rend amoureux. Ouais, oui, effectivement. Ouais, mais bon, ça sert à rien, tu vas devoir m'attendre. Ah, mais je vais farm. C'est bon, Parker est passé? Ouais. Cours critique à la fin. Bien joué. C'était 36. Ah, moi je passerai pas, moi je vais mettre 2 heures, hein, clairement. Bumper, let's go. Oui, enfin, de toute façon, le problème c'est que la team de Toucan a déjà passé donc faut que je me dépêche pour qu'il arrive. Oui, par contre, Young. Non, mais. Impossible. Tu bloques à quel Pokémon, Young? Nidoking, impossible à passer. Putain, t'as pas de Pokémon haut? Ah oui, mais c'est vrai que le Nidoking c'est le deuxième. Même le petit tard, moi il a pas fait le taf, hein, c'est. Parce que j'ai fait Hypnose, il s'est réveillé direct et en fait c'est mon Pokémon feu Kakari. Hein. Tellurie Force, vous moquiez de Chenipan là, mais mon papillon est clair. Hein. Tellurie Force, c'est one shot. Oh, 2 PV. Attends. Il va super popo. Ah oui, bah oui. Moi, il a jamais fait super popo, juste des potions. Moi, 2 super popos sur le Nidoking. Ça fait plaisir. Tu es bien, moi, ça. Ouais, vas-y, tant pis, de toute façon, j'ai pas le choix, je vais là. Je l'ai tué. De toute façon, j'ai pas le choix.
Il manque moi je farm, je cherche mon excellent, t'inquiète. Ouais. Mais tu l'avais pas. Ah merde. Bah si, mais je lui ai mis Vampigraine. Parce que j'avais peur de le buter, sauf que en fait, bah j'ai pas réussi à le capturer, il s'est buté tout seul. Ah merde. Non, c'est pas grave. Le temps que tu fasses sa reine, je farm. Non, mais je vais essayer de me dépêcher. Sur les herbes de posséder, bah oui, j'ai le pas. Je vais refaire une sauvegarde vu que j'ai eu. Ah, mais je suis con, j'aurais dû prendre. Bon, je le prendrai après la reine, mon chéri. Oh, j'avoue, je vais sauvegarder dans mon jeu. Ça me permettra de jouer ce machin là. Putain. Bon bidou. En vrai, en shiny, il est plutôt joli. Son évolution, elle est cool ou pas? Quoi? Son évolution, elle est cool ou pas? Je sais même pas s'il a une évolution. Ah ouais, ça se trouve. Ça se trouve, il en a pas, hein, en vrai. Parce que vraiment, enfin, en fait. Enfin, en tête, je vois pas d'évolution possible à ce truc. Il n'y a pas un genre d'abeille avec une espèce de foulard Pitrini, mais non. Là, tu vas déraper si tu as une abeille avec un foulard, calme-toi. Oh non, il est one, il est dans le rouge et je peux pas le tuer, il va me tuer avant. Ouais, vas-y. Vas-y, il loupe une attaque. Non, c'est fini, c'est mort, putain. Oh, c'est très grave. Ouais, il fait direct poudre d'eau, il va me faire de la vampirène et c'est terminé en fait. En bomber, mais il va one-shot quand même en fait. Je vais faire un attentat suicide. Ouais, il me one shot presque avec Bomber quoi, c'est. Oh. Ah, puis, ah, il a une évol. Il dort, hein. Il dort. Putain. Niveau 25. Rue Bombelle. Ah, ok, donc il a vraiment une évolution. Trop bien. C'est la même chose, mais en plus grand. Y'a pas vraiment de différence. Bon, au final. Je vais me foutre en l'air. Oh, eh, d'accord, ok. Alors, le psychopathe. Avec un foulard, on est d'accord. Le psycho de boule dans mon noir fang enlève même pas un tiers des PV du Raflesia. Donc c'est vraiment pourable. Et bah puis évidemment il a pas Citrus quoi. Le suicide. Bah Raflesia mec, faut que tu le fasses au Pokémon de feu. Hein. Bah oui, mais il one shot mon matoufou en fait, donc je peux rien faire. Avec quoi il le one shot? Avec le bomber? Bah bomber. Oh là là. Et niveau combien? Bah 21. Ah, il faut que tu montes encore. Bah ouais, mais bon. Le problème c'est que bah j'ai pas le temps quoi. Mec, Démologe était niveau 25. Hein. Ah ouais, putain, Non mais Noirfang vraiment il pue la merde, hein. C'est acté. Noirfang vraiment c'est pas comment un cas. Ça n'affecte pas quoi d'oiseau, mais de... comment ça? Eh hey, mais il se con. Let's go. Voilà, il fait sa super potion. Si je peux au moins passer le Raflesia pour XP, ça serait déjà bien, quoi. Un cas d'oiseau, par cœur? Il y a un mec, que je bats. Ah, c'est un dresseur. Le Raflesia, je le passe au moins, c'est déjà ça. Dorino passe level 30. Dis-moi que t'as pris une attaque de fou furieux là. Ah, mais c'est une suite de combat. Ouais. Oh, il envoie son Nidoking cette fois. De fait. Marrant. Là. Absol. Hein. Ah, bah oui, il doit enlever. Il envoie son Nidoking parce qu'il y a une attaque sol qui est super efficace du coup sur mon Nidorino. Absol la vidéo. Oui, c'est pour ça que moi il envoie. Oh, méga corne. Ouais, là. Megacorn, oui. C'est chaud. Oups, il a en peine enlevé la moitié des PV de mon. Il me l'a jamais fait. Megacorn, c'est ça, sur mon frigo. Ah ouais? Putain. Moi, il le fait. Il l'a fait un peu sur mon autre version quand on jouait la dernière fois, mais pas là. Il me fait Bomber, quoi. Là, il me fait Telluriforce. Il beurre Telluriforce en bout. C'est affreux, c'est la pire attaque du monde. Ouais. Ouais, au moins, je passe un Pokémon, quoi, c'est déjà ça, en final. Je crois qu'ils sont en train de niver, hein, parce que les dégâts que je leur mets, normalement j'ai one shot. Hein. Nidoking avec ton Crocodile, ça devrait passer bien. Pff, non. Enfin, en vrai, non. Crocodile, vraiment, c'est vraiment un chien. Ouais, voilà, il a sa bête de merde, évidemment. Ah, j'ai fait. C'est incroyable comme vraiment, j'ai 10 levels de plus que son Nidoking et il me déglingue. C'est incroyable. Oui, c'est normal. J'ai 10 levels de plus, Moi, son Nidoking il était plus rapide que mon Flobe, alors j'avais, je crois, 11 niveaux de plus. Non, moi ça va, mon Nidorino est plus rapide, mais enfin, j'ai 10 levels de plus, quoi, genre. Un peu de respect quand même. Tu crois que j'ai du respect, ça, mon garçon? Bah. Est-ce que tu crois que c'est du respect? Bah, écho, je sais pas. Attends, comment ça, Bomber qui est super efficace sur Bagnon? Bagnon, il plante poison, c'est pas super efficace normalement. Bah, il y a que plante, je crois, non? Non, il est clairement pas que plante. Bah si, Bagnon. Parce qu'après il devient plante combat.
Attends. Ouais, peut-être. Parce que moi, je pensais que le type poison s'enlevait pour le type combat, mais. Attends, bah, je vais aller voir ça. Attends. Vérifie, mais enfin, après, je peux vérifier, mais il va y avoir l'autre qui va faire son bloc. Non, il est copain. Tu mets pas KO. Il est copain, toi, Bani. Ok, il est copain de base. Ok, je pensais qu'il... j'ai toujours pensé qu'il était plomb poison. Vu qu'il a des spores sur la gueule, ça me paraît. Tu sais, moi, j'ai toujours pensé que sac de nœuds, il était type O. Ah merde. Bah, il est bleu. Oui, enfin, bon. Ah ouais, non mais toi ta logique Bah il est bleu. Ah ouais, oui. Bah dans ce cas-là, Vixi, il est type O aussi vu qu'il est bleu. Non mais il est bleu et c'est des genres de d'algues. Ah c'est vrai. Tu prends mon sac de nœuds, j'en ai croisé un. C'est incroyable. Quoi? Et des sacs de nœuds après, voilà. Ouais, les sacs de nœuds. C'est trop. Putain, c'est trop... Yori, dépêche-toi. Je vais faire mon yong là. J'suis désolé. Vas-y, mais dépêche-toi là. Dépêche-toi. Ça fait le malin là sur tous les streams et c'est même pas capable de passer la deuxième page là. Oh, putain, ah, il fait bien le matin. Ah, d'ailleurs, Sid, hier je me suis rematé tes imitations sur Colonel et Mélin, genre j'en pouvais plus. Ah merde. Oh putain. Ah oui, putain, t'es un sacré don. Hein. Putain, cette rediff obscure. C'était sur le truc d'MGS. Ah, ouais, ouais. Par contre, Sid, je veux que tu t'entraînes à faire. J'ai appris ça sur internet. Je vais m'entraîner. Allez, je vais m'entraîner. Tu le fasses aussi bien que Jojo, hein. Putain, Jojo, il le fait bien. Mais Jojo, c'est masterclass, je te jure, on a l'impression que c'est... Moi, c'est la personne, en fait, c'est peut-être lui, hein. Ouais, c'est... moi, j'habite du 91. Non, Jojo, bah déjà, il a des cheveux, donc là... Jojo, il me déteste. Jojo. Je vais faire une overdose en vrai, si je rencontre des bons Pokémon, en vrai, ça me donne genre quasiment 300 XP, c'est pas trop mal. Hein. Salut, hier, Jordi, bienvenue. Ouais. Le problème, c'est que la première fois, je rencontre. Bon, encore. Ouais, BG. Dans un combat, on a le plus beau, la plus belle, Dracofion. Ouh, c'est quelqu'un, toi, maintenant. Eh ouais, on a. Mais putain. Arclet niveau palette. Putain, Young, s'il te plaît, Young, s'il te plaît, passe. Ah, ta gueule! Maintenant, ça s'est inversé, tu es moche! T'es moche, ta gueule! Ah, ta gueule! Eh, ta gueule, il se fait des ficelles! Oula! Ça va, on a pas entendu la fin encore. Mais t'es sérieux, putain, Tarinor Shiny, je peux pas rencontrer dans la nature, ça, que ça soit sur des dresseurs, là, ta merde! Tarinor! Putain, trop stylé! Il est trop beau en doré. Avec une évolution, c'est pas possible d'avoir un shiny en évolution. Non. Ah, il faut qu'il ait le caractère shiny. Dommage. Que j'aurais dû essayer de reroll pour un. Parce qu'il est magnifique le Charizard, le Dracofeu shiny. En noir là, il est défoncé. Charizard. Plus beau shiny. Ah, bah, S'il y a une zone avec des salamèches. Le volcan des Salamèches, OMG, vous l'aurez entendu ici en premier. Le volcan aux Salamèches. La forêt au but bizarre, volcan aux Salamèches. Mais tiens, je vais retourner dans la forêt au carapute. Je te jure, le lac aux carapute. J'y suis pas allé d'ailleurs. La puce, ouais. Ouais. La gentille petite fillette. En vrai, vas-y, je pense que je vais monter mon matoufle level 22, je vais lui donner des super bonbons. Oh, Marine! J'aurais appris que Tortank n'était pas l'évolution de base de Carapuce. Et ça, c'est incroyable. Non, l'évolution de base, c'est Carapuce à lunettes. Putain, ça aurait été tellement stylé. Parfait. Je valide cette lignée évolutive. Ça va être toi hier aujourd'hui? La forme? La forêt des Bulbis, c'était. C'est où? Ouais, parce que je l'ai pas. Au nord, au genre, t'as qu'un seul chemin qui va vers le nord, tu peux pas te faire. Dans la forêt? Deux maps avant, je crois. Ouais, tu restes. Dans la forêt. Jamais allé. Je reviens avant la forêt alors. Pas mis les pieds là-bas. En fait, normalement, t'as une grande maison, c'est la maison du maître des capacités, c'est un peu à droite en haut, je crois, il me semble. Je vais aller voir. Vous savez que là, je suis à deux doigts d'aller. De toute façon, t'as le temps d'aller voir. Bah oui, c'est pour ça. Vous savez que là, je suis à deux doigts d'aller prendre un bulle bizarre qui a une bonne nature. Mais mec, j'y suis pas allé pour te le laisser, au final, tu l'as même pas. En fait, il a pas. T'as le temps, gros. J'en ai un, mais il a pas une bonne nature. Mais vas-y, fais-le. t'as le temps. Non, mais là, je fais un truc. Après, tu me dis si tu captures quelqu'un. Ouais, pour l'instant, je sais pas quoi faire. Là, je suis dans le lieu. Mais frère, arrête avec tes super potions. Putain, tu casses les couilles. Quoi faire de merde là. Putain de caniche, j'arrive pas à le passer là. Bah, putain de caniche. Je te jure, quoi. Ah, je comprends pas quoi faire.
respecte et il veut pas mourir, hein. Il veut pas claquer. Il a tunnel en plus, mais arrête de faire tunnel, je suis type sol, connard. Et des fois ils sont vraiment cons, j'ai juré. J'en peux plus, j'arrive pas à avancer, je suis bloqué, j'en peux plus. Je t'ai dit gros, farm. Mais je fais que ça, mais je prends. Allez, je prends 20 XP. Ouais, ça c'est un farm. L'accélo, t'inquiète, on dira rien. Oui, on dira rien. Fais comme tout camp. J'ai pas accéléré. Si tu veux, si tu veux aller plus vite, peut-être pour. T'arrives à tomber son Pokémon, son premier Pokémon très vite. Moi, ouais. Au pire, au pire, ce que tu peux faire, c'est que tu mets deux Pokémon dans la team et en gros, tu mets ton premier Pokémon le plus faible et derrière, t'envoies ton Ferrisson qui le démonte et tu vas aller plus vite comme ça. Bou matin, qu'est-ce que c'est? Au pire. Hein. Ah ouais, j'avoue. C'est quoi Bou matin? Boum tata. Ah, c'est la tortue de feu là, putain, mais. Ah, ouais. C'est vers la maison du maître des capacités le truc? C'est bien, j'aime bien. Ouais, normalement. Il spoil tout. Ouais, mais y a aucun passage en fait en haut. En haut? Bah, à droite? Ou gauche, je sais plus. Moi, c'est en à haut. À gauche, en fait, ça. Tout en haut. Normalement, je sais qu'il y a un passage en haut. Ouais, je sais ça. Plus pas où c'est par rapport à la maison du maître des capacités. J'avoue que je suis allé une fois, j'ai pas trop checké. Parce que là, il y a un passage, mais en fait, tout est bloqué par les arbres. Ah, quoique, attends. Ah, c'est bon. Il y a un passage de petit filou, tu sais. Ouais, c'est pas les. Voilà. Ah, jardin but bizarre. Oh ouais. Genre capturer tous. Attends. Tous, vas-y. Ah, oui. Je viens one-shot sur Rafflesia. Regule les espèces. Bien joué, mais. Ma flamèche, la crit, je l'ai one-shot. Ah, mais non, mais cool. Putain. Parce qu'en fait, je comptais sur la brûlure pour le fumer, mais j'oublie qu'il y a la baie citrus derrière. La baie à remousse. La baie au remousse des clairapus, oui. J'ai envie de crever parce que je pensais que j'avais one-shot, sauf que bah, du coup. Et maintenant, c'est parti, j'ai ses vampigraines et tout, vas-y. Tarambule, ça c'est au insecte, hein, je pense. Cinquième badge. Adriana, Caramba. Ah, cinquième badge, je bouche. Putain, incroyable. Mais putain, mais réveille-toi, ma touffe de vite. La haine. Ça a parlé. Le problème, c'est que putain, évidemment, il dort 5 tours. La langue des démons, là. Genre évidemment que je passe pas le combat, il dort 5 tours, fils de pute. Pas des lieux dans la ville que j'ai pas visité, mais... Bah elle dort très fin des combats, c'est parti, je suis bon pour les aides, hein. Du coup j'imagine j'ai juste envie de de fermer le jeu et de le relancer, hein. Genre je sais que j'ai déjà perdu. Arrête de tricher. Pas de réveil? Oh, y'a la Team Rocket. J'ai un réveil, mais en fait si j'utilise un réveil, il me one-shot de toute façon. Ah c'est bon, facile. Un conseil aussi de check à droite. Je quoi? Check à droite. Ouais, t'inquiète. Bah, t'inquiète, je suis venu là pour ça. Ah, d'accord. Je me souviens de ça, t'inquiète. Ah oui, quand tu m'as brain, là, comme un... Ouais. Hein. Bon, allez, la Team Rocket, là, ils font quoi? Bon, bah, écoute, je vais... Y'a rien ici, là. Ouais. Ah, ils veulent me bosser. Ouais, énorme. Ouais, ils veulent te bosser. Ah non, ils m'ont juste pas, putain. Petit moi. Alors, peut-être. Oula. Laisse-moi, je charge des Pokémon rares. Ah, combat d'io! Écoute, je charge des Pokémon rares, moi. Incroyable. Putain, mon rêve de croiser un bleu bizarre chez une forêt. Vous finir l'arène 3, ouais, on se chauffe. Non, par contre, putain. Mec, en fait, il va finir premier, c'est ça le dernier. Si. On revient de loin. Comme la fouine. C'est Corneille, non? Pas trop loin. Ah, tout cas, elle est pas la même type. Les mecs, j'ai croisé un feu à joue. Putain, mais elles sont les potions. Putain, première fois que je croise un des singes légendaires. Putain, mais la forêt des mains. C'est bien maintenant à capter qu'ils sont légendaires ces singes. C'est déjà pas mal. Mais hein. Puis toujours autant la mine. Ça fait. Ah, là, je suis revenu à la première ville, mon traumatisme. Ah, même la Team Rocket, ils ont mis des baies au Pokémon. Même le Pokémon sauvage, à présent, non. En vrai, je rigole pas, hein. Putain, oui, les Pokémon sauvages en ont. Hein. Ils en seraient capables, ces cons, hein. Avant-hier, j'ai testé Pokémon Kaizo et maintenant Pokémon Kaizo, enfin Pokémon Emerald. Kaizo, Emerald. C'est bilingue, toi. Ils ont des baies. Ils ont des baies. Comment t'es dit, toi? J'aime les roses. Emerald. Putain, la joie, c'était j'étais gagné au monde. Ça arrive des fois. Le Mongolie sur le live.
Si tu finis la reine 3 avant que je finisse le premier. Ok. Merci, il m'a chauffé, idiot. Allez. Mais c'était beau et putain, mais j'aurais tellement. Grain de miracle! Trop bien! J'ai une attaque plante, let's go! Allez. Il est tellement content. Level 29! Mouvement à 2 secondes, s'il te plaît. C'est parti! Je suis tombé face à un Tarsal. Je capture. Ouh, tu peux même le ban, je pense que Yuri il le voudra. Ouais. Mais ouais, parce que c'est après, fort, je sais pas, Tarsal c'est vraiment fort. Garde-voix. Ouais, ouais. Garde-voix. Et je pense qu'il y a même Gallum. Gallum c'est encore pire. Ouais. Soit tu le bannes, ou soit tu penses qu'on peut ban autre chose, mais quand j'y pense, il y a bah, pas je sais pas, chose. Après il y a des légendaires et tout, mais est-ce qu'on prendra le temps de faire les légendaires? Je sais pas les légendaires qu'il y a sur la route. Bah j'en ai pas trouvé un seul, de toute façon. Non, non, mais même plus tard. C'est... Ça dépend, hein. S'il y a Mewtwo, gros, tu peux le ban, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Tarsal, Tarsal ça se ban, je pense, hein. Surtout pour Gallum. De toute façon, tu vas la mettre dans ta team, Tarsal. Ouais, 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 je voulais un Pokémon. Toi, MC. Comme tu. Franchement, moi je dirais que c'est pas déconnant. Ouais. Peut-être eux ils vont dire c'est de la merde, mais on n'a pas. En tête, j'ai pas d'autres Pokémon qui pourraient. Qui pourraient. Qui pourraient ban, tu vois. Ouais, à part un légendaire. Tu bannes que un par partie ou par session, ouais, c'est ça. C'est bon, on l'a capturé. Un par partie, du coup. Je sais pas, le ban c'est quoi, c'est ça, c'est un Pokémon par partie. Bah oui, on leur demande, si c'est toi qui vois, mais. Au pire, tu gardes ton ban. De toute façon, on va banner personne, on va banner rien, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'à la fin du jeu, on va oublier, tu vois. C'est ça, c'est ça. Ou alors si on a un élécable, mais c'est tout, quoi. Ouais, ouais. Cabling, ça pourrait être pas mal pour certains Poké. Ouais. Parce que après, s'ils trouvent le câble. Même le. Ah, comment il s'appelle, le Pokémon Spectre, la Photominus Plus. Ouais. Photominus, je pense, c'est mieux de ban Photominus que autre chose, tu vois. Ouais, c'est clair, parce que Ectoplasma. Et au pire, il y aura que Yori qui prendra le temps. Ah non, il y aura peut-être Parker. Et qu'il aime, il adore la 3G. Ouais, c'est ça. Putain, après, il y a mort de Drifter. Hein. Parce que moi, je compte prendre Soporifique, donc. Ah ouais. Si je le trouve. Comme tu veux. Ah, je sais pas, je suis mitigé là. Parce que Yori, s'il banne, par contre, ça c'est salaud. Ouais, mais de toute façon, Akazam, je le veux pas parce qu'il est trop fragile. Ouais, pareil. Ectoplasma, il faut qu'on trouve le câble Link, tu vois. Ouais, mais ça, je pense qu'il y a moyen de. Ah, il y a un câble Link. Ok, ouais, je vois ce que tu dis. Tandis que Tarsal. Tarsal, c'est vraiment le Pokémon Psy que tu peux avoir. Non, mais attends, Yori, il en a pas un d'autre Pokémon Psy là? Je sais plus ce qu'il a. Je sais pas. Ah! Je sais pas du tout. Moi, il faudrait que je trouve la ville là, sinon je vais me faire fumer. Mais... Ouais, moi je veux des potions, quand même. Je réfléchis tant qu'ils n'ont pas passé la deuxième arène. Je vais mais je crois que c'est quand tu le captures, tu dois le ban. Au pire, tu le recaptures, c'est pas grave. Ouais. Vas-y, on fait ça. Vas-y. Bon, les gars, Toucan et Arclay, ils sont pas là. Si, tu contrôles. Ouais, j'allais faire une petite conspiration, mais... Ah, ah, je suis démasqué au grand jour. Chauve-souris. Pris en flamme. Et c'est ça. Non, en vrai, j'ai rien à cacher. J'allais dire... si ça tombe sur nous, la roue, on leur met un malus. Un petit malus, hein, ouais. Là... Ah, mais moi, clairement, je suis sur ma young, malus sur... D'ailleurs, D'ailleurs, l'item, Yori, t'as une d'accord. J'ai pas d'idée. Young, je peux pas le load ma state là parce que je sais que c'est mort en fait. Non, parce que ça casse les couilles là en fait. Non, mais mec, je suis dans le même. Oui, non, mais je suis dans la même situation, mais non, impossible. Genre vraiment, là je sais que je vois que c'est terminé quoi. Genre... Gros, j'ai été plein de fois dans la même situation, je sais que c'était mort. Ah, donc, merci Nato, tu régales. Avec le petit coup de boule de Noirfang, mais ouais. Je pense que ça revient. Vous allez pas abandonner maintenant là? Oh, fin de ouais, rush, c'est hein. Vrai. Non, je disais, ouais, fin de rush, hein, à mon avis. Hein, là, c'est vrai, idiot. Eh, les mecs. Arrêtez vos conneries, là. Dites-vous que j'ai travaillé 2 heures à la même arène, en boucle. Vous pouvez le faire. Voilà, c'est vrai, on est d'accord que c'est un Pokémon par équipe, c'est pas pendant toutes les équipes qu'il y a là. Ouais, okay, oui, c'est par équipe. Les trucs. Et voilà, et point poison de Coatox, évidemment, putain. Ah, moi, il me l'a jamais fait, ça. Ouais, donc en gros, il y a un ban par... Ouais, ok. Voilà, là, il va me refaire un casse-brick. Les bans, c'est un par personne, Idiot Side. Faut capturer le Pokémon, tu peux le ban. Ok. Voilà. Putain, tellement envie d'avoir un monstre en Pokémon, quoi. Voilà. Je retourne à une arène. À une arène, un centre Pokémon.
Genre si Young a ban Evoli, il peut jamais reban un autre truc. Non. Là il a grillé. Il a grillé son ban. Non c'est. Oui c'est Young, ouais. Il a grillé son ban. J'ai pas de ban encore. J'aurais dû ban le chenipan mais bon. Après c'est tentant parce que t'as des bans après s'il faut on va tomber sur des légendaires. C'est dur hein parce que si t'as des légendaires ouais. Après que tu tombes sur la route avant la ligue ou quoi c'est fort possible en fait, parce qu'il y a trop de légendaires. Ouais. À c'est mon possible, avis, ouais. Ils ont pas tous des quêtes obscures, tu vois, il y en a tellement que. À mon avis, ils vont dire tiens, va voir là s'il y a pas ça, et ça sera trop rentable d'aller sur la route, aller chercher le poké, tu vois. Parce que... Mais moi, je pense t'as un légendaire, que... les gars, t'as un Mewtwo, franchement. voilà quoi. Ah, le jeu. Petit gros don, hein. Ah, par contre, attendez, les légendaires, est-ce qu'on a le droit de sauvegarder devant ou non, c'est non, bon non, 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 non. Ah ouais, ah non, non, c'est vrai, ça. Très très chaud alors. Toi aussi, t'as beaucoup envie de se garder devant les trucs si t'as beaucoup envie. Bah moi je fais tout le temps ça dans Pokémon. Ah au pire, ouais, c'est... ah ouais, mais faut être sûr de le tuer au pire. Ouais, ouais s'il te bute, tant mieux. Ouais, c'est ça. Parce que je crois pas qu'il se barre s'il te bute. Ouais, c'est ça. Ouais, tu te laisses buter quoi. Mais bon, ouais, racheter des balles et tout, en fait c'est impossible. En vrai, je pense que moi les légendaires, bah les couilles. Je suis un petit Rayquaza là, méga Rayquaza. Ah, je sais pas, ça a l'air tentant, hein, putain. Bah, ça peut être stylé, mais bon. Imagine, tu passes. Tu niques toutes tes balles dessus. Enfin, voilà. Je sais pas, ça me paraît quand même très compliqué. Bah, logiquement, on va avoir une Master Ball, non dans le... Putain. Tu peux pas faire un crit. Hein. Ouais, faudra bien. Si je faisais un crit, c'était bon, je passais l'arène, quoi. En fait, vraiment, il va falloir juste une bonne RNG. Bah oui, moi ce mec c'est impossible à avoir. Tu level up un peu en faisant le raid. Bah Noirfang prend ouais prend l'XP de 2 mobs quand même, donc c'est pas négligeable mais Bah ça va passer mec. Ah, ouais. Bah un jour ouais ça passera peut-être. T'inquiète. Ouais, s'il te plaît. Ok. Putain. Ouais voilà. Le problème c'est que bah là en fait je sais pertinemment qu'il va faire une super potion, sinon j'aurais gagné en fait. Oh Prisma. Ok, bah, super potion, j'ai gagné. Bon, mais non. J'ai gagné. Oh, j'ai gagné. Oh là là, putain. Incroyable. Bon, j'ai pas mon excellent, mais bah les couilles. Young, s'il te plaît. Let's go. Prends ce badge venin pour m'avoir battu. T'as bien joué, mec. Ouais, GG. Venin, oublie tous les Pokémon. GG. Hein, j'ai pas t'obéir. En plus, pour enfin couper les arbres. Ah oui. Ah, il me donne Bomberk. Oh, en vrai. Putain, tu me spoil là. T'as pas de Pokémon poison, t'en fous. Ça me spoil quand même. Je te dis vulgage, mec. Le mec hautain. Non, mais toi, t'as pas fini rien, en fait. Ok, bah, let's go. Allez. Donc, on est tout bon, sinon, on va pouvoir partir, nous. Ah, du coup, faut aller où? Parce que moi, je. En haut. Je crois en haut. Envie de canner, quoi. Et on va mettre Rhinolove en tête. Enfin, en vrai, j'ai beaucoup shit talk, enfin beaucoup trash talk Noirfang, mais c'est le goût, hein. C'est lui qui m'a fait passer deux Pokémon en fait. Aïe! Un bisou, Noirfang, le goût. Ah oui, faut que je prenne mon bon bidou, c'est vrai. Énorme! Ah, mais tu pourrais pas le choper, ah dommage. De quoi t'as en shiny? Non, non, mais tu verras le premier mob en haut, tu lui parles et tu verras ce qu'il te dit. Petite sauvegarde pour fêter ça du coup. Je vais sauvegarder un minute, je vais faire une vraie save aussi. Ah bah je suis pas mécontent de l'avoir passé cette arène, putain. Ah ouais. C'est une par contre, ouais, on a vraiment que les arènes, ça va être de la pure RNG. Ouais, ça va être. Ouais. Ça me fait peur. Hein. Par contre, la ligue, putain, ça va être 5 combats. Ça va être horrible. Ça va être infâme. Ouais, ça va être chaud. Caminus, ça te va ou quoi? Quoi? Ok, ouais, je viens de croiser le PNJ dont tu m'as parlé. Du coup, je suis un peu tellement. Caminus? Ouais, ouais. Ah, c'est pas grave. Ouais, ouais, moi, il faut vraiment Pokémon Float, mais il doit en avoir une chier parce que moi, Tétard, je vais le changer parce qu'il est pourri. Mais prends-le, prends-le. Vas-y, ça marche, ça. Prends-le. Pas trop. Ah mais c'est pas bon bail ça d'envoyer un Lombre alors que j'ai pas touché. Oh bien ça. Young ouais. Tu peux avancer BG.
Bien joué, Yon. Ouais, GG. Ça, c'est Yon. Avance, avance, cours, cours. Enfin, du coup, j'ai vraiment mis un milliard de coups pour rien, quoi. Let's go. J'ai bon, full chat, ouais, j'ai full chat. Ouais, mais j'ai full chat, J'ai envoyé Nosferapti en first, j'ai fait ultrason, et le... enfin, en first, non, d'abord j'ai déglingué le Raflesia avec mon starter. Après, j'ai envoyé la chauve-souris, j'ai fait ultrason, le Nidoking, il s'est infligé des dégâts pendant 3 tours. Quoi ? Oh putain ! Et après, bah, il me l'a mis KO, j'ai renvoyé Furisson, je l'ai déglingué avec un crit. Et après, bah, le Quatox, il me faisait pas de dégâts en fait. Donc, Oui, bah Quatox, c'est pas. Enfin, en vrai, je pense que son Quatox, c'est un peu son pire Pokémon en vrai. Ah, et moi, il m'a pété les couilles. Trois fois, il s'inflige des dégâts et après. Ah ouais, putain. Et après, le crit. Si je le passais pas là, je le passais jamais. Ah, mais t'as juste été meilleur. Le king de la rivière. Oh là là, putain, je pensais que j'arriverais jamais. J'étais... Okay. Mec, je tremblais tout, hein. J'étais pas bien. Mais vraiment, là, je vis des sensations. C'est un boss de Dark Souls. Non, mais là, c'est... Mais c'est là ça. Même. Mais dingue, j'ai jamais ressenti ça sur un jeu Pokémon. C'est. Ouais, pareil. Incroyable. Pareil, j'avoue que j'étais en stress aussi. Hein. J'ai vu ça dans la première arène. Young, est-ce que t'allais super. Non. 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 Personne. Y a d'autres personnes qui les ont pas. En quoi ? Y a d'autres personnes qui les ont pas, les super bonbons. Non. Oui, moi, je les ai pas eu. Ok, de donc. Les super moments ? Parker, enfin, Parker. Young, viens, on. Bah, ouais, les super moments, d'ailleurs, si je les ai tous utilisés. Hein. Ouais, moi, il m'en restait deux, je crois. Parce que sinon, moi, je passe. Ouais. Donc, tu vois, le. La. Merde, comment ça s'appelle là ? La ville de 3G, là. Mais il va juste dire bonjour. Allez, dis tous les bonjours ici. Ils sont pas lus en plus. J'espère que le son n'est pas trop fort, etc. J'essaie de faire 8 morts. Ah, en vrai, 4 morts en moyenne pour deux boss. Enfin, 4-4. Ah, mais ça y est, t'es devenu quelqu'un hein, sur. Troll premier. Oh, l'âme feuille, ça va le détruire. Et 5 sur. Attends, mais ils sont où tes 8 morts là? Si je sais bien compter, ça fait 4. Oh non, pas reflet. Donc on est sur Discord, donc là regardez je les démute. Donc bien sûr quand je les démute personne ne parle. Mais je vais reprendre de l'XP ça va faire. C'est voilà. Donc on est 6, on est 3 types du coup. 3 types de 2. Et celui qui a ouais, le plus loin, enfin celui qui finit les. Si les deux finissent la ligne, ils vont gagner. Parce que j'étais un troisième boss. Ok. Putain mais j'ai l'impression que tu joues 6 heures par jour et le jeu il est jamais fini. Putain mais j'étais en train de me dire mais putain c'est bizarre mon matoufeu, j'ai l'impression qu'il fait. Ouais t'étais genre. Reset mental, finito, fatigue, ça baisse la t'as arrêté de 50%. Heureux. Ouais. Salut Eden, bonne nuit. Bah t'inquiète, bonne nuit. Merci d'être passé et puis repose-toi bien. Super bonbon, j'ai bien. Ça sera bien trop. Et t'en as combien de super bonbons du coup? 5. Incroyable. Vas-y, j'arrive. Ça va clutch. Ça va clutch. Ah oh putain, je me soigne, je vais avancer. Je vais me servir une vodka pour fêter ça. Putain, let's go. Putain, mais je peux pas boire, ça me casse les couilles. Oh merde. Non mais ténacité qui réussit deux fois de suite, c'est quel monde ça. Les mecs qui me disent spécialiste. En fin de compte, tu es un expert, et puis non, tu es un spécialiste, je me trompe, tu es un expert. Aïe! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des Caminus Road. Scoot Basil. La bande à Basil. Il y a moyen que je le prenne, Caminus? Boazel. Vas-y, hein, je vais pas utiliser, donc prends-le. Hein. Ah, c'est le starter que je voulais à la base, donc. Bah vas-y, prends-le. Ah, oh, j'ai déjà un sans cookie. Ah, je suis désolé, autant la 4G c'est sûrement ma gêne préférée, autant sans coquille je peux pas, vraiment. Non, et la femme, surtout que la meuf de la ligue, elle là, il est insupportable. Ouais, Tritozor. Ouais, c'est rien. L'évolution est encore pire, je trouve. Ouais, c'est ça. L'évolution est encore plus dégueulasse. Ouais, Tritozor, ouais. Mais arrêtez, vous êtes un dégueulasse Pokémon. Non, il est éclaté au sol. Ouais. J'aime bien. Oh, ponchien. En gant blast. Un ponchien. Un pancho. Ah, si j'en trouve un sauvage, je le veux direct.
cuvette. Mais c'est vrai, putain, les gars, il y a vrai. T'as fait combien de Pokémon en tout avec jusqu'à la 7ème? 700 et quelques. Ouais. Alors qui gagne? Bah écoute, Solarix, personne. Pour le moment, Arclay et Toucan sont en tête. De pas beaucoup. Suivi, ouais. Suivi de moi, Yori, et Parker et Young. Mais vraiment, on se tâtonne. Non, Stallone, il suffit d'une arène pour qu'on soit tous au même niveau et ça part. Les couilles sont à deux doigts de se toucher. Hein. Les couilles, elles baignent. Là, ça baigne dans l'huile. À direct. C'est quand la prochaine roue? J'ai envie de pisser. Dans une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Ouais, vas-y, tu fais pas. Oh, dodo à la. J'en profite. Ça descend là, dodo à la. Je savais que t'allais te démute. Je te connais. Dodo à la. Oh. Oh, Galvaron. Pas mal, oh, ça. Mimi. Oh, il est Mimi Galvaron en 2G. Enfin, en 2G, en 2D. Ah oui, je viens de tomber dessus aussi. Quoi? Ah ouais, alors, je viens de tomber dessus aussi. De quoi? Comment ça te tomber dessus? Galvachiote, là. Ah, je sais pas. Bah, il est plus mignon en 2D qu'en 3D, quoi. Ouais, ah. C'est vrai, c'est vrai. Étonnant. Il donne que d'un en XP. Ah, mais il est électrique, lui? Ouais, électrique, ouais. Oui. Ah oui, oui, ok, ouais, je vois. Espèce de tas de merde avec les oreilles. Ouais, c'est dans son évolution, ouais. Genre, là, il est mignon, mais après. Oui, il est mort, ce con. Il est Volta, je sais pas quoi, là. Il est mort tout seul, d'accord. Ah oui, c'est Galvaron. Un des pires Pokémon aussi, là, je viens de me rappeler. Dans la 7G. Une espèce de pile là, un insecte pile électrique là, ah il y a oui, une arène oui, où il y en a plein oui, et c'est des, oh, des compteurs. Ah ouais, qu'est-ce non, que c'est est-ce, cette merde, est-ce que je suis désolé, mais son évolution Lucanon c'est masterclass, j'aime. Est-ce que son évolution c'est mon Pokémon préféré d'ACG, donc s'il vous plaît, mais bon, Lucanon vraiment très très masterclass. Mais par contre, le Pokémon pile, j'avoue, c'est un ouais, peu. Ouais, espèce de batterie électrique là. Enfin, c'est sympa à l'user. Par contre, Lucanon dans les. Lucanon? Attends, faut que je regarde parce que je sais pas bah, quoi. Je l'ai en shiny sur épée et bouclier, il est magnifique. Oh putain, bâtard. Lucanon. Franchement, vrai, par rapport à la pile, c'est une masterclass. Je crois que c'est ouais, un. Ouais, ça va. Je crois que c'est ça, un Pokémon insecte. Carabine shiny sur un dresseur, va baiser ta mère, putain. Non, mais qu'est-ce que j'ai pas vu un shiny de toute la game. Hein. Mais pareil. Ouais, moi non plus. Le mec en trouve quoi. À part quand j'étais en train de refaire le jeu de mon côté. Mais... Bah du coup je suis le seul qui en ait capturé deux du coup. Ouais, enfin qui en a même capturé un. Legit ouais. Vente-toi, bon, vente-toi, vas-y, vente-toi. Ah ouais, t'as Balignon aussi toi. Je peux oui, te Balignon et T'es incroyable. Les artistes, on peut pas les capturer là. Va falloir vraiment que je trouve le multi-XP pour commencer à les level up pour moi. Ok, moi je sais où c'est le multi-XP. Cool. C'est où Parker? Oh. C'est énorme. Oh putain. Ah ça déchire. Oh alors ça. Oh ce chef d'œuvre. Quoi? Mais oui, mais... Rien, je dirais rien. Vas-y, je dis. J'ai trouvé. Non, non, bah trop pas. Là, vous allez tomber dessus de toute façon. Bulbicide. ça triche. Bah, y'a rien, bah là, c'est bon. Oh là là. Sur un... Vous savez sur que un genre. Combat. J'ai mis le. J'ai mis ton live seal, mais genre, j'ai mis la fenêtre de MGBA pour que ça couvre ouais, tout. Ouais, pareil, le la même. J'ai que le chat, en fait, je fais exactement la même, trop marrant. Ouais. Putain. La fenêtre de mon jeu couvre tout. En fait, j'ai juste bah, la gueule de Cid avec avec son chat à côté, mais je vois rien sinon. Ouais, bah, pareil. Hein. Cradopo. Hein, ouais, non, Cradopo, je peux en prendre. D'ailleurs, le, ça fait des plus facile. C'était Tritox qu'il avait, comment il s'appelle, le dresseur de la deuxième ligue là? Hein? C'était Tritox. Comment il s'appelle? Quatox, c'est ça? Ah, Quatox. Oui. Il était quoi ce Pokémon d'ailleurs? Combat poison. Combat poison. Combat poison? Ah, c'est pour ça que j'ai plus le. Ouais, c'est avec Lance-Flamme. Bah non. Du coup, pardon c'est x1. Parce que j'ai OS avec Finance Flamme. Par contre, moi je lui mets tir debout, il a pas aimé. Hein. Vraiment. Ok. La ouais, mais en vrai, tu lui mets un choc mental, je pense qu'il aime pas non plus, hein, vu que c'est x4, hein, choc mental. Il pleut. On déroule, Gilbert là, déroule. Oh putain, choc mental c'est x4, mais je crois que je vais mettre ma fusion. Bah oui. Je vais stack up 6 sur quoi, tant que c'est x4. Ah non, mais je suis con. En fait, non, parce que mon papillon était mort. Mon Rafflesia, enfin le Rafflesia a tué mon papillon. Putain. Mais si, j'en ai besoin. Putain, il faudrait. What? Route 6.
Ah, et enfin il pleut plus, quoi, putain. Et ça fait mal, Marest, quand même. Ouais, c'est... Il est con, il est fort, hein, putain. Et baillement, vas-y, baisse ta mère. Ouais, fais une oui. Oh, que c'est... Oh, que c'est moche. Il monte. Mais attends, mais du coup, quand ils envoient des shiny, les dresseurs, ils ont des étoiles, eux? Oui. Ah ouais. Ah, je peux te le dire, j'en ai vu 3. Hein. Non, mais justement, je sais pas, c'est pour ça que je le... Je peux te le dire, je peux le dire. Ouais, ils ont des shiny, ils se plaisent. Ok. Ils te font des... C'est vraiment des vrais shiny, quoi, c'est pas juste la couleur rouge. Non, non, c'est le vrai shiny. Putain, j'ai tellement envie de mettre le Game Shark capturer les Pokémon à ça, là. Oh, Maril! Ah, j'ai reçu un 9. Trop bien. Ah, le con, putain. Ah, le con, j'aurais dû aller prendre le ticket. J'aurais dû aller prendre le ticket. Oh, putain, le tarambule, il va faire 45 reflets, ça y est. Non, mais il y a une meuf qui donne un 9. Oui, ouais. dans la pension. Ouais, non, mais il y a un ticket que j'ai pas pris, putain. Oh, putain. Il y avait un ticket, là? Non, je... De toute façon, les œufs, si tu veux... Y a un... Moi, les œufs, moi, je l'ai pas pris. C'est juste pour choper un Fenipan ou... C'est merde pareil. Ça. Moi j'ai chopé que 2 tickets au début, c'est tout. Hein. Depuis j'en ai parti. Ouais, moi j'en ai chopé qu'un. J'en ai chopé qu'un. Moi aussi, donc. T'as chopé 3 par cas? Non, j'en ai chopé qu'un. Ah, un? Oui, c'est pour ça que je dis qu'il m'en manque un. Ah oui. Mais c'est bien en plus. Mais, ouais, c'était au début, ouais. Faut vraiment retourner au début. Je vais pas y aller. Arcanin! Arcanin! Oh putain, il va m'éclater par contre. Le Shalodin. Ok, je crois que j'ai vu ce que t'as vu, Sid. Oh, c'est très très bien. C'est très très bien. Ah ouais, c'est quoi? Vous aussi vous avez croisé le Mushin? Je n'en dirai pas plus, mais c'est très très bien. Ah, je sais pas de quoi il parle, mais moi je vais bien avancer, donc... Ah, vous allez voir. C'est un Mushin, si je sais pas. Ah, peut-être, je sais de quoi il parle. Il est dans les fleurs, d'ailleurs. Ouais, je crois savoir de quoi il parle, c'est bon. En fait, je pensais que ça allait faire comme les autres qu'on voit, et en fait, non, c'est vraiment... Non, pas du tout. Ouais, c'est vraiment... Enfin, on a la ref. Ah oui, oui. Rester le plus vague possible. Ouais. On va rester, vas-y. Ouah, c'est quoi ça? Mais what? Oh, la tente de Franck, elle est incroyable! La tente de Franck. Ah, mec, tu vas voir. La vie de ma mère, j'ai trouvé la pierre de mon starter. La vie de ma mère, je voulais sur le jeu. Attends, tu peux le méga évoluer là? La grenette. Bah, je sais pas quand je vais pouvoir le méga évoluer, mais si je peux le méga évoluer dès qu'il évolue. Ah oui, la grenette vient de le trouver. Ah putain. Pas trouvé donc, rip à moi. Yori. Non, merde, tout quand. Ouais, mais j'ai. Si tu veux un mot, vas-y. Si tu veux, je suis où aller, Yori. Qu'as-tu trouvé? T'es rentré dans la grotte ou pas? Non, pas encore, là je suis allé récupérer l'œuf. Tu rentres dans la grotte, quand tu montes les marches, etc., tu vas descendre à une échelle et au fond t'as un mec qui s'appelle Pierre et qui va te parler des légendaires à Antopolis là, ou à Atlantapolis. Ouais. Il faudra revenir le voir quand on aura plus d'expérience. Voilà. Ok, ça marche. T'as vu la tente Arcana ou pas? Oui, c'est bon, je suis allé. Et t'as vu, y'a la Galamite? Il y a la Galamite pour Galam. Ouais, je l'ai. Ah, celui-là, nickel. Je l'ai. Donc en vrai, Ban Tarsal, je sais pas. Ouais, faudrait que je le capture. Ouais, comme tu veux, en vrai, je sais pas, ça peut... Par contre, il y a une route à droite, une route à gauche. Ah bah c'est la ville? Non. Moi, je sais pas encore, non, là c'est dans la grotte, là. Vous voyez, faut prendre la grotte et fais gaffe avant la grotte. T'es parti à droite ou tout droit, ou au-dessus? La grotte, elle est tout en haut. Ah, bah là je suis dans la Bekines, donc après cette ville là on va pouvoir avoir le vélo. Ouais. Mais t'as vu, il est arcanin, donc 20 000 à acheter un arcanin, je sais pas si c'est pas mieux. Ouais. Parce que l'arcanin ça a l'air d'être genre là vite. Ouais, à voir. Bon là je suis à la nouvelle ville, c'est bon. Vas-y, t'inquiète, je suis en move. Ah, tu veux move? Ouais. Vas-y. Hein. Ouais. Pour faire des pokeris. C'est bon. Ok, c'est bon. Un tout cas, demain à 8h, mon rêve, hein. Si tu m'endors. J'arrive au taf, on me dit t'es viré. Oh, mec, mon rêve aussi, hein. Moi, mon rêve, c'est de trouver un travail. C'est bizarre. Ouais, pas déconner. Oh, y'a un camion, y'a peut-être New. Franchement, y'a moyen, hein. Y'a moyen que ce soit juste un truc qui roam, pas un truc que je puisse capturer.
être très très marrant. Je te jure à rien. En vrai, genre, ça me fumerait qu'ils mettent un camion et genre, t'as une cutscene avec Mew qui se casse, mais genre, c'est bloqué. Et tu peux pas y aller. Qu'est-ce que c'est? Merci, Mier. Le mec en face a un flou. Ouais, j'ai plus de mauresque, elle est descendue tellement vite. Ah, moi je suis dessus aussi là. Ça va se resserrer. Ça tape aussi. Un peu. Brouillez-vous la gueule comme ça, vous jouerez moins bien. Ah. Tu joues mieux justement. Jean-Claude Condon, bonjour. T'as plus focus. Fais tunnel! T'es sérieux, tu fais tunnel, fils de pute! Ah, sur leur dos? Non, Scorplane. Ok, moi j'ai un solo, il a fait tunnel, j'ai pas compris tout. C'est une des seules bonnes attaques qu'il peut apprendre, puis encore bonne. Mais il m'a buté. Il m'a buté des molosses, niveau 28. Attends, ouais. Oh. Oh, je crois que je vois la tente. Dont... Ah oui, tente de Franck. Elle est stylée, hein. Elle est... Oh, oh là là, non, je... ça. Et merde. Non, je rêve d'acheter la même à Decathlon. Hein. Oh, oui, idiot. Attends, quoi? Ah ouais, non, ouais. Oh non, mais attends, par contre, c'est Masterclass, là, ce que je viens de voir, là, dans cette tente. Ouais, mais attends. Si, attends, hein. Par contre, attends, fallait aller en haut ou... Aller ma bouteille. Ou à l'est. Il faut aller en haut. En fait, il y avait deux chemins, je sais qu'à l'est, tu pouvais aller autre part. Ah, ça, ça dépop, je guess. Direct. Ah, je sais pas, j'ai rien vu à l'est. Je sais pas où est la prochaine ville. J'ai rien vu à l'est, moi. Moi, je suis au nord, là. Ouais, ok, bah, je vais au nord aussi. Oh! Oh non! Tous mes Pokémon sont en PLS, non, pas un combat! Non! Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, tu vas te faire bosser là, mon pote! Je vais me faire fracasser la gueule! C'est parfait! Let's go, c'est ça que je veux! Ah, mais je suis con, ouais, je suis con. Non! Ah, mais, oui, mais attends, mais je suis débile, Azumarill, il est. Il est type fée, du coup, vu qu'elle est le type fée, je crois, dans ce jeu. Ah putain, ça reste. On est de Reno, hein! Vas-y, ça déjà. Oh bah l'ombre, mais ouais, mais. Ça, c'est les attaques pas homologuées, ça. Ça, non, c'est... c'est interdit, ça. Ah, ça passe pas le contrôle technique. Ah bon, c'est super efficace. Ouais, voilà. Ok. Donc, il y a bien le type fait dans ce jeu, du coup. Bon, par contre... Non, mais laser glace, par contre. Tu rends Azumarill level 18, vraiment. C'est normal, ça. Headmove, t'inquiète. Et joue strat. Putain. Ça me flingue. Ah mais du coup Nidorino, ah oui c'est vrai que Nidorino est pas encore de type sol. Qui a pas évolué. Les amis, tout le monde lâche sa manette. Let's go. Yes.